Dans ce nouveau cours de l'armoire, je t'apprends tout ce que tu dois savoir pour pouvoir peindre un sujet animalier. Quand on peint un animal, que son pelage soit long, court ou frisé, il faut savoir créer l'effet de volume, ce qui donne l'impression d'une fourrure fournie et réaliste. Peut-être que tu as de la difficulté à peindre des poils fins, que tes fourrures sont sans volume, les proportions de ton sujet te semblent bizarres et que malgré tous tes efforts, tu es loin d'avoir l'effet réaliste que tu as en tête. Pour que tu puisses y arriver, on va voir ensemble chaque élément de base. De la préparation de la toile au mélange de couleurs, jusqu'à réaliser pas à pas le sujet au complet. Mais tu vas pas seulement apprendre à peindre cette vache. Quand tu auras terminé ce cours, tu vas aussi avoir appris toutes les notions indispensables à la réalisation de tes futurs sujets animaliers. Te procurer un cours en ligne, ça te permet d'apprendre d'une façon complètement différente que par un cours en atelier. On voit ensemble chacune des étapes de la réalisation de la toile. Tu me vois faire en vidéo. Tu vois chacun de mes gestes. C'est donc beaucoup plus facile de comprendre comment faire. En commençant avec la préparation de la toile, je t'explique comment préparer la base de ton sujet en te donnant les techniques d'application, en te partageant mes trucs, je te dis le matériel exact que j'utilise, quelles couleurs j'ai pris pour faire mes mélanges. Rendu à la réalisation du sujet à la peinture à l'huile, je te l'explique en détail comment j'ai fait pour préparer ma palette de peinture. Quoi regarder sur ta photo de référence pour comprendre quelles couleurs tu dois préparer et aussi tu vois exactement comment je fais mes mélanges. Rendu au sujet, on le fait ensemble de A à Z. Tu pourras voir chacun de mes coups de pinceau et je t'explique au fur et à mesure comment je procède. Je te donne tous mes trucs. Par quoi commencer? Ce qui est important d'observer? Quelles sont les étapes pour procéder de façon logique pour pas que tu passes ton temps à te corriger? Quoi observer si tu es bloqué? Comment structurer ta toile? Ce sont toutes des notions que tu pourras mettre en application sur tes créations personnelles par la suite. Tu vas pouvoir voir chacune des étapes de création de cette toile d'une façon que tu ne pourrais jamais te le faire enseigner si tu prends un cours en atelier. Si tu n'es pas satisfait du contenu du cours, je te rembourse sans problème. Avec le cours vient aussi une vidéo dans laquelle je te montre et que je t'explique tout le matériel que j'utilise. Tu pourras donc te procurer le matériel exact qu'il te faut et tu apprendras leur utilité en même temps. Je peins à l'huile depuis plusieurs années et les sujets animaliers sont mes préférés. Je serai aussi disponible pour discuter avec toi si tu as des questions. Que tu peignes seulement pour le plaisir ou que tu veuilles perfectionner ta technique, tu apprendras dans ce cours beaucoup de notions qui t'aideront à créer tes propres projets animaliers. En plus, tu auras fait une magnifique toile que tu pourras fièrement exposer. Alors, sers-toi un bon café et rends-toi sur le site web de l'armoire pour visionner le cours. Deux options s'offrent à toi. Tu peux t'offrir le cours à l'unité via la boutique en ligne. Ou devenir membre et y avoir accès automatiquement en plus d'avoir accès à tous les autres cours de la plateforme. Je t'ai mis les deux liens dans la description. Et n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. À bientôt!